Dans ce tutoriel, nous allons découvrir ensemble la nouvelle version de la Book version 3. Encore beaucoup de laboratoires de biologie médicale travaillent avec un cahier de laboratoire où les résultats des patients sont inscrits à la main. Cela va créer des problèmes de confidentialité, des problèmes de copie, recopie de résultats, mais aussi, à la longue, des problèmes d'archivage et de ce fait, des problèmes d'analyse des données, comment sortir des données statistiques, des données retravaillées à partir de ces archives. La Book est donc une solution informatique qui est là pour informatiser les données de laboratoire et donc offrir une solution aux laboratoires, notamment des pays en voie de développement. La Book a été créée en 2010 par la Fondation Mérieux et a d'abord été développée par la société EpiConcept jusqu'en 2019, puis c'est la société Aigle qui a repris le développement du logiciel et qui nous livre aujourd'hui la Book 3.0. La Book est donc un SIL, un système d'information de laboratoire qui est open source et gratuit. C'est un logiciel spécialisé pour assurer la bonne gestion des processus d'un laboratoire de biologie médicale qui dispose d'une interface en français et en anglais et avec une interface qui est réellement pensée pour les utilisateurs et avoir une navigation qui est claire et intuitive. Par ailleurs, c'est un logiciel qui est hautement personnalisable aux besoins du laboratoire. La Book est fournie sous la forme d'un ISO qui est intégré au sein du logiciel Ubuntu, qui intègre notamment une suite de bureautique LibreOffice, et donc le logiciel LabBook. L'installation de cet ISO va installer tout ce package en une fois. LabBook, c'est donc l'informatisation de la demande d'analyse, la saisie de résultats jusqu'à l'édition du compte-rendu. C'est la suivi de la facturation des analyses. La Book permet aussi de gérer les codes-barres du laboratoire. Il dispose d'une interface pour le management de la qualité et va donc permettre un archivage global de toutes les informations, aussi bien des informations qui vont être tapées directement dans le logiciel que des informations qui vont pouvoir être scannées et liées aux résultats, comme ici, par exemple, les prescriptions des analyses. Mais la Book permet aussi d'analyser les données au travers de différents types de rapports et d'exportations vers notamment le logiciel Onet et DHIS2. La Book intègre un antivirus, un firewall et notamment une messagerie instantanée, Signal, qui est sécurisée. Le but ici est vraiment de vous permettre d'avoir une solution qui est, vous protège contre le piratage de vos données. Par ailleurs, la Book est basée sur Ubuntu, qui est un Linux, et qui là aussi vous protège d'autant plus des virus qui sont assez courants sur les systèmes d'exploitation de type Windows et beaucoup plus rares sur les systèmes d'exploitation de type Linux. C'est donc basé sur le logiciel Ubuntu et nous récupérons de ce fait-là la fluidité et l'accessibilité de ce logiciel. Il dispose par ailleurs, avec cette icône, d'une petite mallette d'un utilitaire qui permet d'installer des logiciels facilement, qui s'appelle Ubuntu Software. Ainsi, si dans l'ISO que vous recevez, vous ne trouvez pas tous les logiciels dont vous avez besoin, vous pouvez facilement en rajouter au travers de cette interface. La Book intègre aussi un système de backup qui est automatisé, qui est personnalisable, puisque vous pouvez déterminer vous-même l'heure à laquelle les backups vont être réalisés. Ces backups sont réalisés sur des supports externes, comme une clé USB ou un disque dur externe. Et pour éviter là aussi tout risque de piratage et pour sécuriser vos données, ces backups sont chiffrés avec des clés GPG. Ces backups intègrent non seulement
les données du laboratoire, mais aussi tous les rapports et les fichiers qui ont été joints au logiciel. Ainsi, en cas de plantage, de crash, vous pouvez récupérer l'intégralité de votre système. Ici, vous avez l'interface à partir du menu root, du menu d'administration, comment, qui vous permet de paramétrer ces sauvegardes. Mais au-delà de tous ces outils qui gèrent là le processus métier, la book intègre un set de formations pour développer vos compétences sur un grand nombre de sujets. Le management de la qualité, mais aussi la maintenance des équipements, la biosécurité, et j'en passe. Un grand nombre de formations est donc directement accessible dans la book uniquement en cliquant sur ce bouton qui est présent sur le bureau de votre système, la book e-learning, et vous pouvez de cette là accéder à tous ces e-learning en offline, donc sans avoir accès à internet, juste en ayant installé le logiciel. La book s'installe donc avec un ISO et vous pouvez l'installer sur un seul poste. Dans ce cas-là, ça peut être le profil d'un petit laboratoire où là, il n'y a qu'un seul ordinateur, où tout le monde va utiliser le même ordinateur. Mais si vous connectez la book à un réseau intranet, donc à l'intranet du laboratoire, avec un switch, des câbles RJ45 ou par le Wi-Fi, les autres ordinateurs du laboratoire vont pouvoir appeler le logiciel la book avec un simple navigateur et l'adresse IP de la book. Ainsi, toutes les données du laboratoire vont être concentrées au même endroit, dans la même base de données, même si vous êtes un grand laboratoire avec un grand nombre d'ordinateurs. Et là aussi, l'avantage est qu'il n'y a rien à faire sur les autres ordinateurs. Il faut juste les connecter à l'intranet de la book et tout va aller dans le même ordinateur, dans la même base de données. Quelques informations plus techniques. La book 3 est basée sur une base de données MySQL. Le logiciel est développé avec le langage Python et il utilise des containers Podman. La book dispose d'un GitHub que vous pouvez consulter et nous encourageons à participer à la communauté de développement de ce logiciel. Pour plus d'informations, vous avez le site internet www.lab-book.org.